Odé, je suis là, c'est moi, Lox. On est avec Denis Duval. Suite de cette soirée étrange. J'arrive à Valentine, mais en vrai, je sais pas du tout ce qu'il y a. Voilà. Hop, j'ai fait tout ça vite. On va manger un coup. On va voir s'il y a du monde. Oh, rien, ça me saoule. Bonsoir, monsieur. Mmh. Oh, des hommes bien plus grands que vous et tout. Mmh, des hommes bien plus grands. Sans dommage, j'ai personne. Hop là. Alors. Let's go. Après, si on va à Saint-Denis, il faudra qu'on change. De toute façon. Et puis là, on va manger un petit morceau parce que Denis c'est la faim et que moi, tant que je suis dans une ville, je mange au salon. Ça va, moi. Vous avez manqué, l'ami. Jure que oui. Ah, mais peut-être pas trop à manger ici en vrai. Multijus Hunter, liqueur, bouillère. Bouillère. Ah oui, d'accord. La bière, ils appellent ça la bouillère. Beignet Fugger et Beignet Fig. On va faire ça. Ah, ça va mieux. Je vais redéposer des sous. C'est là. J'ai combien sur moi? J'ai 10. Ça va, je garde 10, c'est bien. Ça va, bisous. Ah, j'ai une idée à manger. Je vais lui donner à manger, la pauvre. Ah, voilà. Quelle soirée. Faut que je... Je vais la brosser tant que je peux. Voilà. Ah oui, d'accord, oui, t'es toute seule, regardez. Elle va être toute blanche, là. Voilà. Bon, pas grand monde, je crois. Je vais faire un petit demi-tour pour aller voir là-bas, mais bon, ça a l'air quand même très calme. Est-ce qu'on peut boire ici? J'ai pas l'impression, hein. Des gens là, mais je sais pas trop comment engager la conversation en fait. Hein. Ah mince, fallait que je me change. Bon, c'est pas grave, j'irai me changer à Saint-Denis. Tic tac, touc tac, tic tac, snik snik nook. Allez. On est en ville, donc on va aller doucement. Voilà, au trop, mais au trop rapide. Par exemple, il y a des gens, mais voilà, je me vois pas leur parler et dire alors, t'as fait quoi les jeunes? Les trucs de jeunes?
Non. J'ai 1h30 à attendre. Pour le reboot serveur. Et pour tes... et toi pour tes tweets salés, c'est ça? J'entends des chiens, ça veut dire qu'il y en a? Allez voir. J'ai entendu une sorte de chien là. Non. J'ai entendu un bruitage de chien. Ça doit être de fumée, pas salé. Faudra que je pense aussi la prochaine fois ici à prendre du foin pour ma monture. Hein. Parce que bah, c'est gratuit. Et c'est en libre-service. Et du coup, bah, ça remplace une carotte. Donc c'est bien. Donc je dis oui. Voilà, voilà. Morning, ma'am. Ah là là. Après, bon, bah, je pense que je vais pas pousser beaucoup plus loin s'il y a personne à Saint-Denis. Même si bon, je la forme, donc j'ai bien envie encore de jouer, mais s'il y a personne, il y a personne, quoi. Donc on verra. Ce sera un petit peu... Vu qu'on peut pas contacter grand monde, on est de toute façon obligé de faire comme ça. Zah. Après... Ouais, je retourne à Blackwater s'il y a personne à Saint-Denis, je pense. Je sais pas. On verra. Moi, j'espère que ça va, le live, hein. Ça va être un peu long, je pense. Un petit peu. Oh, ça va. On a connu Pierre. Denis, sa moitié dans son cheval. Je vais faire galoper un peu. C'est vrai, toi, mais super. Mon insomnie se porte très bien. Mais après, as-tu vraiment essayé de faire dodo? Bon, je dis ça, mais moi, je sais très bien ce que c'est que les insomnies. Mais c'est pour ça que je stream très tard, hein. C'est parce que moi, avec mes insomnies, c'est un rythme que j'ai eu naturellement, quoi. Après, bon, je pense qu'en vrai, à Saint-Denis, il n'y a pas grand monde. J'ai dodo de 16h à 1h en même temps. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'on peut parler de ça d'une insomnie quand tu arrives pas à dormir alors que tu viens à peine de te réveiller, quoi. À dire que en plus, t'as fait bah, l'équivalent d'une nuit complète. Donc, j'avoue que moi, j'appelle moyen ça une insomnie. Même si ça peut être sujet à débat. Insomnie, Clande. Nalou, par contre, lui, je sais pas comment il fait. Hein. Il se couche toujours super tard. Bah, quand je. Rarement avant que j'arrête le live. Ça lui arrive, mais c'est rare. Et puis, il se lève tôt, quoi. Avec Tokawa dans chaque doigt, dodoter, ça va être complexe. Oui, voilà. Non, bah, c'est définitivement pas une insomnie. Oula. Oh, c'est trop beau ce point de vue. Avec le soleil et tout, j'adore. Beaucoup trop. Tout ça truc. On en est où?
Oh, on est quasi arrivé là. Ah non, pas encore. Je pensais qu'on était, voilà, qu'on était plus dans ce coin-là. Non, on est là-bas. C'est pas ça que je vais faire. Enlever la vue. Je... Je suis tombé de route. Ah, il fait coucou. Levé à 7h pour la petite douille, voilà. Tu te lèves toujours super tôt le matin. Tu te couches toujours au milieu de la nuit, voire en fin de nuit. Je ne sais pas comment que tu fais. Je... Ah bah ouais, hein, quand t'as un enfant jeune, en bas âge, la grasse mat, ça doit être assez rare. Faut que j'aille me changer, moi. Ça va avoir trop chaud comme ça. Bah c'est tout droit. Dans leur désir. Ah, quelqu'un. Quand on entend des chevaux, après, quand on entend des chevaux, pardon, je vais y arriver, ça veut pas forcément dire que c'est des gens. Ça peut être un peu le souci, quoi. Je reviens, bisous, je vais me changer. Oh, c'est quand même trop joli, hein. Moi j'aime trop. Hein. En dénigme. Alors, où est la porte? Là. Je m'attendais pas à cette phrase. Se changer, c'est de l'autre côté. Non, pas ici. Plutôt ici, ici. C'est pas ici en fait. Ah, mais si, c'est ici. Ah, bah non, mais c'est ici, c'est complètement là en fait, quand je passe la porte. Je vais oublier. Mince. Ah, voilà. Il est chelou ton correcteur, oui, un petit peu. Ton T9. Toujours là, bijou, oui, toujours là. La mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va pas, non?
Ah, ça devrait aller. Bon, est-ce qu'il y a des gens ici? Pas l'impression, hein. Quand je trouve des choses, j'ai l'impression que c'est des bruitages rajoutés en plus. Quelqu'un là-bas, mais je crois que c'est un PNJ. C'est beau par ici. Ah bah oui, c'est Saint-Denis, hein. Saint-Denis, c'est vraiment une ville super stylée. Hein. Allez, resto. Allez, grailler un morceau. Je crois qu'on va peut-être aller... Ah bah non, si je vais au Bastille, il n'y aura pas à bouffer. C'était des joueurs. On est tellement loin les uns des autres qu'on peut même pas se saluer. Ouais, c'est ça le Bastille. Bah y'a pas fou là. Petit gâteau de riz. Juste histoire de manger un petit truc. Ah, j'aime pas, j'entends le perso qui a fait, j'aime pas. Kawa. Bonjour. Bonjour. Doudou, doudou, bijou. Ah là là. Bon, bah écoutez. Hein. Moi je pense que cette direction à Blackwater et puis Toto. Si je passe rien, et bah c'est pas grave. Ça devrait pas être trop long. Ça va être super long. Désolé. C'est du Benji. Et pas trop de doute. Ouf, je suis en ville. Faut que je reste au pas. Là, faut vraiment que je récupère tous mes contacts là, c'est trop chiant. Mince, je vois plus le chat, je viens de me rendre compte, excusez-moi. Ah voilà, j'avais mal mis OBS, du coup je voyais plus rien. On m'a dit que Saint-Denis c'était étrange la nuit. Bah Saint-Denis c'est joli la nuit, parce que t'as beaucoup d'éclairage contrairement à la plupart des autres villes. T'as des voilà, t'as des panneaux lumineux et tout ça, enfin pas du tout des panneaux lumineux, des enseignes lumineuses, et du coup ça rend l'ambiance assez cool, hein. C'est vraiment joli la nuit. Ouais, désolé hein, pour ces allers-retours du coup. Peut-être arrêter la VOD limite. Ouais, je vais arrêter la VOD, je la reprendrai s'il y a du monde à machin. Ouais.
Ouais, parce que c'est déjà long à regarder le RP. Moi, je sais pas, en fait. Ouais, non, tant pis. Je la mettrai juste pas en ligne si y a un intéressant. Mais non, je vais aller ici. Ah, par contre, c'est trop cool de pas être obligé de conduire. Juste le cheval ici. Inno. Inno the route. D'y conduire un cheval, bah en fait je ne sais pas ce qu'on dit. Basiquement tu le conduis. Conduire quelque chose... Tu le conduis plus que tu le pilotes. Alors on dit chevaucher évidemment pour le fait d'être dessus. Mais quand tu lui donnes sa direction, c'est pas chevaucher. Donner la direction à un cheval, c'est le conduire en fait vers une direction, donc je pense que oui. Je pense que ça se dit conduire un cheval. Parti avec le garçon chèvre, la cartouche était bien. Bah je l'ai pas vu beaucoup finalement l'homme chèvre. Attendez, le PNJ va me tirer dessus. Du gouvernement, trop bien. Ok, je savais pas. Non en fait, je sais pas non plus, mais je pense que c'est pas forcément faux. Je pense. Voilà, mais sans certitude en vrai. Hein. Non plus, je sais pas. Et franchement, la prochaine fois, on se donne l'objectif de prendre le train. Mais le problème, c'est que le train, à chaque fois, il est vraiment à des gares, mais giga opposées de là où je suis. Hein. Bonjour. Voilà pourquoi j'ai encore jamais pris. Et puis parce que c'est 2 euros là. 2 dollars. Il est quand même giga beaucoup. On en est où? Ah, on arrive à faire la boucle. Ok. On avance. Objectif, c'est l'armadillo. Oula. Oula, attendez, je vais enlever le... Oulala. T'es allé, mais malheureusement pour toi, il y a une fille qui a adoré. En vrai, c'était très très marrant quand même. J'avais bien envie d'aller voir quand même... Voilà, mais bon... On nous a dit d'évacuer la zone, alors forcément on le fait, c'est logique. Mais c'est vrai que j'avais bien envie d'aller voir. Aller voir un petit peu ce qui s'est passé, avoir des explications, tout ça, quoi. Bonjour. Papy qui s'est fait attaquer par un cougar. Ouais, c'était assez marrant. J'ai pas vu comment il est tombé de son cheval, mais... C'est très cool qu'on voit enfin un cougar. Parce que, bah, en plus, plus tôt, il y a un viewer qui me demandait « Mais y a pas de cougar, y a pas de faune, y a pas de faune sauvage et tout. » Et si, y en a. Après, je sais pas... Là, moi, je reste sur les routes, et je pensais qu'en restant sur les routes, on en croisait genre quasiment pas. Bon, c'était mon cas jusqu'à présent, mais en fait, bon, bah... Pas si simple que ça, hein.
Ouais, mon cheval d'Ipex en max. On y est presque à Blackwater 2. Et puis bah, plus voilà, on va voir ce qui s'y passe. S'il se passe rien, c'est pas grave. S'il se passe quelque chose, bah tant mieux. On voilà quoi. Oui, non, mais. Pourquoi tu fonces dans le cheval aussi, toi? Encore loin. J'avais l'impression d'y être presque, mais pas du tout. Ah, j'ai voulu prendre un raccourci nul qui me fait gagner zéro temps. Parfait. Faut traverser encore la flotte ? Voyons. Oui, mais je reconnais ici. Ah, vite fait. Je vais dire c'était là où je pêchais. Oui, c'est ça. Non, on va cut. Hein. C'est bon, quoi. T'as déjà rencontré un ours ou un grizzly dans le jeu? Non. Pas que je sache. Dans le sens où... bah, parfois en pleine nuit, j'aurais pu en voir de loin sans le savoir, mais... Mais non. Enfin, pas en RP. HRP, oui. Parce que j'ai quand même un petit peu de temps sur le jeu. Oula, qui lag. Denis, elle a encore la dalle, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller aux Alnunes. Je sais pas s'il y a du monde. Oh, ils sont beurrés. Mon cheval ici. Vous allez chercher aux étals et puis vous... On a du monde. Ah bah c'est encore vous. Bah le bonsoir ma petite dame. Bien le bonsoir. Ah excusez-moi. Ah bah très bien et vous? Pardon. Ah oui, mais vous faites une jolie chorégraphie devant moi mais bonjour. J'ai quand même besoin de passer. Bonjour bonsoir. Ah bonjour bonsoir. Oula. Non mais il va falloir aider votre ami là. Je pense qu'on va le lassauter et... Il va céder. Mais qu'est-ce qu'il y a celui-là? Il a glissé sur le tapis? Il a un peu bu de la liqueur de framboise, tout ça, tout ça. Ah. Faites attention ici, il y avait du vomi tout à l'heure. Ouais. Ah. Puis il y avait des gens qui te laissaient aller, oui. Et puis il y avait des accusations fallacieuses aussi, hein. C'est moi. Ah, c'est toujours vous. Vous êtes toujours en forme, alors. Ouais, ça a soulevé son jupon, il paraît. Ils ont raconté qu'une dame s'était lâchée, tout à fait. Oui, oui, oui. Ils aiment bien accuser, oui. Oui, ah, c'est vous qui parlez. Semblerait, oui. Je me suis fait accuser fallacieusement. C'est très fallace. Bah, bravo, madame. Apparemment, vous pétez en société.
Bah enfin, tout le monde sait que les dames ça ne pète pas, ça a le trou du cul bouché. Bon, ça s'amuse ici. Ah merci. Et donc pour vous répondre, madame, oui, on nourrit la ville de Blackwater et ses habitants. D'accord. Non, parce que je vais écrire des articles de journal. C'est Morgane. J'aimerais bien écrire sur un peu toutes les personnes. Oh, une journaliste. Les villes. Et du coup, voilà. Bah voilà. Bah, ah bah si vous voulez. Vous avez des petits spasmes, monsieur. Ouais, ça va passer bientôt, je pense. Ça va si passer. Vous voulez, j'étais à la visite à Darmadi aussi. Vous avez besoin d'informations pour votre article? Ah bah j'y étais aussi. Ah oui. Oui, je me suis cachée. Incroyable. Derrière un mur pendant la fusillade parce que c'était. Ah oui. J'étais avec une amie, on était sur le chemin, on a attendu que tout le monde débarque. Et puis bon. Et ça s'est passé en pleine ville. Ah oui, dans le saloon. À Armadillo, il y a eu une fusillade. Voilà. Il y a eu 5 ici. Blessés. Oh, ah oui, et vous avez. C'est grave, hein. Irma va bien? Irma. La petite dame du saloon. Oui, elle va bien, elle était à terre, en mauvais état, mais elle a été soignée. Elle a un petit corset rouge, c'est ça, et un t-shirt. Oui, rouge rose. Ouais, à côté de vous. Oh d'accord. Mais non, elle a été sauvée, mais oui, elle a été blessée. Oui, bah oui, je voulais aller voir, mais on m'a dit, vous êtes pas de la région, ce serait bien d'évacuer. Très violent. Alors on a évacué. Et je parle que de la zone. Oui, bien sûr, madame. On n'oserait pas dire autre chose. Mais. En tout cas, je raconte votre histoire à tout le monde, hein. Mais c'est honteux, enfin. Vous arrêtez d'être fallacieux. Mais non. Pas possible, ça. Vous êtes vendu toute seule. Mais comme. Mais j'ai rien vendu du tout. Bon, j'étais même pas. J'étais en train de jouer du piano. Oui, ils ont dit deux dames. Voilà. Bah oui. Et monsieur était là, et ils ont accusé moi et mon ami. Vous êtes très fallacieux. Petit je gredin. Pas, madame. Je serais pas. Je pense que c'était le poêle là-bas qui craquait. Oui. Ah, mais moi j'ai bien entendu que ça venait l'un de vous, effectivement. Et votre ami, il a même pas supporté. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ou alors c'était la nourriture, je sais pas. Ah, alors là, on va pas être amis, madame, si vous dites ça. Ah bah oui, mais bon, vous êtes fallacieux. Moi, je suis pas ami. Ouais. Bah écoutez... Attends, je vais couper vos pattes. Oh là là. Oh non, non, pas encore un malade, à savoir. Bah là, au moins il est sorti. Oui, c'est mieux, oui. Bonjour monsieur. Oui, bah oui, faites comme chez vous. Lui aussi, il a du picolé. Il va bien celui-là d'abord, il fait des gestes bizarres. Ah bah il a bu. Vous savez, hein, dans un saloon, on boit. Hein. Voilà, regardez, voilà, il s'exprime là. Ah, ça manque de musique pour l'accompagner, le pauvre. De l'expression corporelle, regardez. Hop là. Hey, Jenkins, ça va? Oulala, par contre, boire ou conduire, il faut réfléchir. C'est sa charrette, c'est sa charrette. Oh, je ne sais pas conduire la charrette, là, je pense. Ouais, le cheval connaît le chemin, vous inquiétez pas. Et je crois qu'il a l'habitude de le ramener à sa ferme dans cet état-là. Ouais, jeune homme. Allez, on va te ferme. C'est la sienne. Ah, d'accord. Je passe par coucou. Bah, coucou et toi? Et donc, est-ce que le nom de son cheval, ça serait pas trop tout? Quoi, ce cheval? Ça ferait le cheval de monsieur Léo Trouve-tout. Il a pas encore de nom. Ah, mais c'est une honte. L'acteur comment c'est Roméo. Le Belgien c'est Juliette. J'en connais qui donnent des noms à leur cheval. Le gros c'est Maximus. J'en connais qui donnent des noms à leur charrette. Oui. Vous ne donnez même pas un nom à votre cheval. Bah, je l'appellerais bien Jean-Eudes, moi. Charrette, fruits et légumes. Jean-Eudes. Jean-Eudes. Ouais. Oh non. Ou alors il y a deux chevaux, Jean et Eudes. Ça fait penser à une histoire, mais que je peux pas dire. Non, bah ne la dis pas, t'as raison. Non, ah, dommage. Bien dommage. J'ai rencontré une femme qui avait appelé son fils Jean-Eudes. Et... Ça existe. Et disons qu'on avait bien ri. Ah, moi jugé. Son fils Jean-Eudes, arrête tes bêtises. Et bon. Voilà. Fin d'histoire. C'est génial. Vous avez noté, okay. Miss, vous pourrez écrire un article dessus. Ah oui, c'est incroyable. Je pense que. Oula!
Je pense que oui, je vais écrire un article là-dessus. Ça, je peux faire au moins 3 pages là-dessus. Oui. J'ai vraiment quand même envie de vous la sauter et de vous jeter dans votre carriole. Oh, c'est une technique de drague, ça. Je crois qu'il est... Le pauvre, il me fait de la peine. Mais je crois que c'est la fatigue qui l'a rattrapé, là. Vous voulez pas qu'on vous jette dans votre carriole? Vous avez raconté le gouverneur... Qu'est-ce qu'il se passe, là-bas? Il s'est rangé tout seul, le cheval. Il s'est rangé. C'était bien étrange. Oui, ça m'a fait bizarre. De quoi, j'ai dit quoi? Et alors, j'irai pas le chercher là parce que c'est un coup à se plaindre. Oh oui, oh voilà, c'est beaucoup trop étroit. Hein. Et puis, on sait pas comment monter. Dans la maison du gouverneur toutes les nuits. Ah, avoir quelque chose sur le gouverneur? Oh, bah moi je veux savoir. Dans la maison du gouverneur. Et c'est habité ça, monsieur, parce que moi je veux parler de tout. Mais moi j'ai rien dit. C'est le gouverneur qui l'a dit. Je dirais pas que ça vient de vous, vous inquiétez pas. J'y ai dit le gouverneur. Bah non, elles viennent pas de moi, c'est pas moi qui lui envoie. Mais qui lui envoie quoi? Je dirais rien, promis. Je ne sais pas, je connais pas le gouverneur. Les catins, je crois, si j'ai suivi l'histoire. Il a dit que les catins allaient chez le gouverneur, mais... Oh, c'est pas bien étonnant, ça. Ou peut-être les cajuns. Ou les cajuns, c'est pas trop la même chose. C'est pas vraiment la même chose. Je vais aller voir l'innocent et je vais lui demander s'il passe des nuits avec le gouverneur, je te le dis moi. Je suis sûr qu'il y a une cata ou un cajun qui est mort dans la nuit du gouverneur. C'est pas vraiment la même chose. Ah oui. Non. Bon bah dans les deux cas c'est pas fou. Hein. Dans les deux cas c'est pas fou, mais alors si c'est un cajun, là... C'est mieux une cata qu'un cajun, je pense. Moins commun quoi. Ah oui, c'est beaucoup moins commun, on est d'accord. On va peut-être qu'il vous laisse faire le cajun lit. On est dans la... Là, je crois qu'on est... On est bien, là. Là, ouais, je suis bien. On a l'explication. On a l'explication. Ah, mais qu'est-ce que c'était nul. Il est drôlement tard. Mais c'était pas une blague, c'était une vraie histoire. Oui, avec la dame qui y est. Jean-Eudes, y'a pas qui. Je comprends plus rien, madame. Aidez-moi, madame Herbert. Qu'est-ce qu'on fait quand une femme appelle son fils Jean-Eudes? Voilà. C'est mieux qu'appeler sa fille Jean-Eudes. Vous voyez, les blagues me font cet effet-là. Voilà. Faites okay. Attention. Moi, c'est l'alcool qui me fait cet effet-là. Vous allez abîmer votre jupe, là. Oh, vous inquiétez pas, je vis à Armadillo, vous savez, le sable, tout ça. J'ai l'habitude. Vous avez en fait, madame, je vous ai même pas demandé. Ah oui, Denise Duval. Et vous? Denise Duval, d'accord. Moi, Pearl Yarbury. Pearl Yarbury. Très bien. Oh, vous êtes la première qui arrive à le prononcer, c'est magnifique. Incroyable. Et pourtant, je suis française. Voilà, machin, voilà, blablabla. Voilà, c'est ça. Voilà, oui, enfin bon. Lui, il est bourré, il a une excuse, mais... Bah moi, je l'ai dit, Yarbury, voyons. Et puis moi, c'est... Jardinerie. C'est Gulnay des Moines. Rien à voir avec Strawberry. Gulnay des Moines. J'ai l'impression de mâcher votre nom. Gulnay. Vous pouvez me dire? Des Moines. Gulnay. 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 G-U-R-N-E-Y. Une fois, j'ai pris ma langue par derrière. Alors moi, je pense que c'est Curné, mais... Tu vas te taire, Léo, il y a des conneries comme ça dans les dames. Une fois, j'ai mis une flèche dans le torse. Eh ben, j'avais jamais entendu Gulnay. Et une autre fois, j'ai tiré et dessus. Gulnay, voilà. Maintenant, vous pouvez et plus... Et le moine. Du moine ou le moine? Des Moines. Des Moines. Et une autre fois, j'ai mis malone sur le comptoir. Comme des moines, mais avec un petit grec au milieu. Alors, tu veux pas boire quelque chose pour que ça passe? Vous avez un peu numéro de télégramme, mademoiselle? Madame? Mamie? Non, je sais pas bien si j'ai un numéro de télégramme, là, tout d'un coup. Ouais, réfléchir, hein. Parce qu'ils ont fait un nouveau système de... J'ai de la frontière. Ah bah oui, j'ai plus aucun contact. C'est pratique. Eh oui. J'avais prévu des choses, bon bah. Certaines personnes avaient dit de les contacter pour leur vendre tout à fait. La viande et tout ça, parce que je fais de la chasse. Ah et, d'accord. Du coup, je n'ai plus aucun contact. Bah oui, pareillement. Bientôt, il faudra mettre le numéro du... comme ça sur le cul du cheval. Oh bah c'est tranquille, celui-là. Ah mais oui, c'est le FQ256 pour moi. Alors F comme fraise. Ils sont moins 10 là-bas. F comme femme, Q comme Q, 256. Excusez-moi parce qu'il y a le monsieur bourré qui parle en même temps. Il y a un Q. Oui, non, mais ça, Q, F, d'accord, et après 256.
156, d'accord, merci madame. Il y a un cul avant. Bah oui, il y a un cul, hein. J'ai compris qu'il y avait un cul de femme avant. Non, ils sont pas 10, ils sont 4. Exactement. Ah oui, disons là... Oh, bah qu'est-ce que c'est, ça? Beaucoup quand même. Alors moi, je. Moi, j'en vois 3-4, moi. Peut-être aller voir. Ah non, il y en a un petit peu plus. Non, non, j'en voyais 4, puis en fait, il devait être caché derrière les autres. Vous savez, ils savent qu'on est là, hein. Pour écrire mes articles, vous savez, il me faut du... Voilà. Hé, hey, voler des jumelles. Voler des jumelles. Bon, là, on voit plus personne. Est-ce que vous avez des jumelles et un... Ah, je sais plus comment ça s'appelle, ça ressemble à une... Non, un entonnoir. Je veux sauter en l'air. Un Oui, comme un ça, on peut plus loin. Ah non. Bonsoir, monsieur. Bien, bonsoir. Ah, bonsoir. Ouais. Bonsoir. C'est toi la petite troupe qui vient d'arriver, là. Il y a du monde, c'est... là. C'est mes frères. Oh, c'est vos frères. Oui. Et comment vous appelez? Monsieur Joshua. Attends, c'est tous vos frères? Ouais, tous. Oui, tous ah des oui, frères. Ah oui, votre maman, elle... Ah, elle est la même mère, en plus. Hein. Ah oui, oui, une jouvencelle. Je vois personne. Non, mais... Il était là, mais c'est plus là. Faut arrêter de boire. Mais c'est toi qui bois et c'est moi qui bois. Non mais là il y a plus personne, c'est normal, ils ont changé de... Ils vont arriver, d'ailleurs je les vois. Je bois et les effets sont aux autres. Bah, moi j'ai vu personne. Bon, bah, pas bien. Ils vont arriver non, pour... J'ai vu personne non plus. Pour en discuter avec vous, si c'est possible. Bah, tu bois sûr. Qui tu veux. Bah y'en a un qui est pas frais en tout cas. Y en a un qui est bourré, je crois, c'est le meilleur moment quoi. Ah merde. Bah, le petit blond là, il... Non des coucous assez spéciaux. Pas du tout. Bon, bah écoutez, messieurs, dames, moi je vais vous laisser là, je pense. D'accord, monsieur. Il va être temps pour moi d'aller me reposer, vu que je me suis levé il y a 2 heures. Effectivement, il est temps. Bonne journée. Ouais. Bonne nuit. Reposez-vous bien. Pareillement, monsieur. Je n'aime pas votre nom, monsieur. Vous êtes monsieur comment? Maxwell. Maxwell. Monsieur Maxwell. Bah, très bonne nuit, monsieur Maxwell. Et eh ben de même, en vous souhaitant une bonne soirée à tous. Léo, tu vas réussir à rentrer? Vous vouliez donner maintenant un café, monsieur. Bonne notée. Oui, on me l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Elle est passée. Elle est passée depuis longtemps. Ah oui, mais vous tenez un saloon, alors aussi, vous cherchez. Ah oui, mais le café est complètement déshydraté depuis le temps, là. C'est bon. Ah. Bon, tu vas y arriver, Léo, c'est bon? Arrivé d'Archie. Ah, bah c'est bien, vous le laissez tout seul pour les négociations, c'est parfait. Il y a un cheval. Quelle négociation? Bah, je sais pas, ici. Si, ah, il y a un monsieur qui. Tout un groupe qui voulait vous parler, c'est sûrement pour parler affaires. Mais je sais pas, mais moi je vous dis que j'ai vu personne en fait. Mais la parole peut se faire pendant des années. Ouais, c'est bien vrai ça. Profond ce que vous dites. Tiens, c'est moi j'ai vraiment vu personne, monsieur dame. Je sais pas. Il y avait au moins une vingtaine de personnes, mais. 20? Non, une petite dizaine. Oh. Vous me voyez, monsieur? Ou vous êtes trop bourré? Bonjour. Ah. Il était vachement discret. Ah oui. Ah non, il vous voit pas. Vous voyez le monsieur avec la petite moustache blanche devant? Ah il vous. Mais moi je vois personne. Moi. Ah oui. Un monsieur qui dort sa cucaracha devant vous là. C'est triste quand même, hein. Les ravages de l'alcool. Ah oui. Oui, finalement vous êtes le plus sain. Voilà, il se met tout nu là. Vous. Non non non, c'est normal. Non non, moi je vois personne. Ah oui. Ah oui. Ah bah non. Ça va être, être compliqué là. Ah oui, je crois qu'il est tombé, oui. Et ben voilà. Et vous, monsieur, je sais vous pas, voyez. J'entends rien, je vois rien. Ouais. Mais vous êtes trois. Bah, moi je le vois bien. Ah bah oui, il vous voit. C'est moi et mes frères. Bonjour. Et dites bonjour, les frères. Bonjour. Bonjour. Oui. Mais toi, t'es. T'as fait d'accord. Bizarre, vous savez. Oui, hein. Ça doit faire bizarre de votre point de vue, j'ai l'impression que vous avez comme une petite illusion d'optique. Ouais, c'est très étrange. Un tout petit, alors, hein. Armadio, ça arrive souvent, mais c'est à cause du sable. Ici, je... voilà. Oui, à Valentine, ça arrive aussi, mais c'est parce que c'est hanté. Les vapeurs d'alcool. Bon, après, je vais aller tuer 74 chèvres. Ah oui. Bah, vaut mieux les tuer que faire autre chose avec, hein, parce qu'on va raconter des histoires. 76, donc... non. Pourquoi 76? Oh, je sais pas, c'est un beau chiffre. 76, c'est un beau chiffre. Moi j'aurais plutôt dit 42, mais bon. Ah oui, ah là je suis d'accord. Ah là je suis d'accord. Ah, je crois qu'on va se battre. C'est bien plus classique. 42. Oh oui, un combat. Ah. Mais, eh ben, je le vois plus. Bon bah bisous. Eh bien, bonsoir. C'est peut-être hanté aussi ici, hein, en fait. Ouais, il y a des fantômes, il paraît. Non, je pense à la ref. Je pense qu'il y pensait, mais il a pas la ref.
de Léo Dagan. J'ai tué 76 chèvres. Bon. Pas 74. Ouais, ça. Camouflage. C'est vraiment bizarre. Camoulox. Oui. Ah non. Pas si con, j'aurais aimé lui parler. Toutes les deux, mais c'est journée. Je sais pas trop ce qui se passe autour, mais bon, bah écoutez. Ah, il y a un monsieur aussi ici quand même. Il y a un monsieur en fait. Hein. Vous appelez comment monsieur déjà ? Monsieur Joshua Dynamo, dites-lui les têtes brûlées, il sera. Il y a Joshua Dynamo des têtes brûlées qui est ici. Alors attendez, je pense qu'il vous parle, il passe à travers moi. Alors Joshua, que veux-tu dire à Joshua ? Parle-moi, Joshua. On va passer à travers soi, ça on fait ça dans la chambre. Joshua est en train de me dire, alors attendez. Oh là là, ça me donne mal à la tête. Joshua est en train de dire qu'il voulait vous parler à vous et à vos frères. Oui, ce sera... Oui, ok, d'accord. Voilà, Joshua voudrait votre numéro de télégramme. Oui, faudrait que j'aille le chercher, oui. Oui, mais je... Oui. Joshua peut vous accompagner et puis vous le dites à voix haute et l'esprit le notera. D'accord. Voilà, Joshua, ça vous va ? Et nickel, merci. Voilà, bonne traductrice. Merci. Une bonne traductrice. Je parle aux esprits. Merci beaucoup. Mais de rien, j'ai passé une petite journée avec les natifs, ils m'ont appris à parler aux esprits. C'est bien, ils vous ont donné de quoi fumer pour parler aux esprits, c'est ça ? Alors non, ça c'est les Mexicains, ils m'ont donné une petite plante verte. Ah ! Ils m'ont dit, mange-la, tu vas voir, c'est génial. J'ai cru que c'était de l'origan, pas du tout. Voilà. D'accord. La marijuanga, comme ils disent. Alors, je ne sais pas, ils m'ont pas dit c'était quoi le nom, mais je. Voilà. C'est sûrement ça. Bon, bah, je vais accompagner les esprits au télégramme. Bah, accompagner les esprits au télégramme, je vous en prie. Allez, voilà. C'est parti. Ah, je vais y aller, je reviens. Voilà. Bah, bonne soirée à vous. Oh, bah, tiens. Je vous remercie. Bonjour, ça va bien ? Bonjour. Ah. Compliqué ça. Vous me voyez toujours vous peur là, parce que j'ai un peu peur là. Ça va ? Ouais, pas du tout. La charrette était sous moi. Ah bon ? Vous avez été... Ah oui, vous êtes rentré sous la terre, c'est déjà arrivé plusieurs fois ça. Mais ouais, non, ça c'est quand t'es neutre lourd. Oui, donc dans la terre quoi. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ouais, je ne retournerai pas à la terre. Vous allez bien ? Vous allez bien vous ? Et je vais à sa place. Bien. Je voudrais m'entretenir avec vous, monsieur le Seven. Au travail. Oh non. Pourquoi donc ? Parce que tout comme le chef, nous on est là depuis très longtemps, on va aller surtout se reposer. Mais bon, honnêtement, j'ai pas envie de prendre part des discussions d'affaires de quoi que ce soit à cette heure-là. Il a beaucoup bu, hein. C'est pour ça que les Seven, c'est des merdes. Ouais. C'est pour ça que vous avancez pas et que tout le monde vous pisse dessus, monsieur. Ouais, moi je rentrerai pas dans ces provocations. C'est pas des provocations, c'est la réalité. On va peut-être s'écarter, j'ai déjà vu deux fusillades aujourd'hui, on va peut-être éviter une troisième. Éclipsation, camouflage. Nanana. Camouflage. Voilà, camouflage. Alors c'est parfait. Vous êtes très camouflé. Ah, on me voit pas, là. Illusion totale. Alors, mais un peu clair, peut-être. On m'a déjà dit que pour la chasse, c'était pas terrible, mais bon... Ah, ça va. Ouais, peut-être mieux pour la pêche, c'est un petit côté poisson. On m'a dit que ça faisait vieille. Ça vieillit de tomber. Non, ma petite robe à poids, on m'a dit que ça faisait vieille fille. Ah, ça fait fille sage. Non, on m'a dit que ça faisait vieille, les Mexicains, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hey, bon, les Mexicains, ils mettent que du doré, alors bon. C'est pas faux. Disons que. Faut avoir les moyens d'avoir leur style, quoi. Ah bah, j'ai essayé, hein, mais je suis vraiment nul en habillage. Oui, pas facile, effectivement. On m'a dit de contacter une certaine Lilia Duke. Ah oui qui pourrait faire les vêtements à ma place. Ah ouais, je connais son papa. J'ai rencontré son papa aussi, hein. J'ai été miné avec lui. Oh, bah, sympathique. Ils en ont besoin pour la Andouille Corporation. Andouille. J'ai loupé quelque chose, je crois. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'aurais pas vu. Est-ce que vous auriez vu dans le bar, un ami à nous. Oui, effectivement, il est rentré. Joshua. Oui, il est parti au télégramme.
Oui. Avec Maxwell, parce que Maxwell ne le voyait pas. Oui, c'est ça. En fait, il est parti envoyer un télégramme parce qu'ils avaient un petit peu un problème pour se voir vraiment. Et Maxwell, qui est-il? C'est le deuxième gérant du bar, du saloon. Ah, voilà. Et lui, il va être ouvert à discussion, vous pensez? Alors, ce soir, je crois qu'il partait. Il partait là. Saloperie, c'était si important. Mais il est parti donner son numéro de télégramme à votre ami. Mesdames, oui, donc peut-être qu'ils pourront quand Qu'est-ce même... Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, mesdames et messieurs? Alors, moi, je suis chasseuse, future journaliste. Moi, je suis pêcheuse opportuniste. C'est pas mal aussi. Et monsieur? Ouais, moi, je viens d'arriver, alors je suis pas tout encore. Ah oui? Oh, mais oui, je vous avais encore jamais vu, vous. Et j'ai travaillé... Il est arrivé aujourd'hui. Quelques heures à... Et puis voilà. Là, tu peux être, je sais pas, moi, bûcheron, philosophe. Ah, oh, c'est pas mal, ça. Ou psychologue... dentiste. Ah, les dentistes. Vous auriez des arracheurs de dents, les madame. Oui, vrai. Vous tenez une association qui aide les orphelins. De quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous tenez une association qui aide les orphelins d'Armadillo. Nous avons un orphelinat que vous pouvez venir le visiter demain à 21h30. Moi, je vis à Armadillo. Oh, c'est parfait, mais. Il est au nord d'Armadillo. Et ça sur la carte? Ça fait deux jours que nous avons sorti votre carte. Et vous accueillez tous les orphelins ou juste ceux d'Armadillo? Non, bien sûr, tous les orphelins, madame. Vous voyez, au-dessus, vous avez une sorte de chemin. Plusieurs chemins qui est au-dessus d'Armadillo. On va se faire frapper. Il y a une sorte de petit. Un chemin qui tourne en rond, là. Un croisement. Oui. Il y a plein de petits chemins qui se suivent et qui rejoignent un petit chemin. Il forme une sorte de cœur. Vous parlez des pointillés? Oui, voilà, les pointillés. Oui, c'est pas très. D'accord. Et nous sommes dans une pleine récolte de fonds, voire. Ah, parce que j'avais financer... récolte d'orphelins, ça aurait été bizarre. Ah, si, hein, si vous avez des orphelins, vous pouvez ramener, on vous récompense, hein, bien sûr. Attends, vous payez pour avoir des. Ça m'a l'air. Non, c'est du tout, c'est-à-dire que. Vous savez, malheureusement, l'humain, il n'agit qu'avec la récompense, quoi. Mmh, on va donner une sorte de petit cadeau pour le bon acte de la personne qui a ramené un orphelin, quoi. Ouais, si j'ai mon journal, je pourrais vous faire une petite annonce. Oh putain, ils sont glauques. C'est vrai, ça peut être pas mal, ça. Bah écoutez, on pourra voir ça demain directement. Ah, j'ai pas encore de journal, je suis en train de demander au maire. Là. Ah, d'accord. Est-ce que c'est possible que vous nous aidiez à faire la récolte de fonds pour pouvoir financer la fête de demain? C'est l'inauguration. Vous voulez de l'argent, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Que ce soit du de 1 cent à 500 dollars. Chaque don a sa valeur. Écoutez, moi, je suis pas là depuis longtemps. René, il a 2 dollars en poche. Parfait, ça suffit. C'est-à-dire que mon bon monsieur, je voudrais quand même pas pouvoir manger. Vous savez, monsieur... Pensez aux orphelins. Pensez aux orphelins, monsieur. Vous préférez quoi? Vous avoir à manger ou pas en même temps? Ouais, mais c'est pas grave, que Dieu vous guide. Eh, les amis, c'est qu'elles sont mignonnes, mais y a quelqu'un qui me jette dans la ligne. Que Dieu vous guide sur la voie de la générosité. J'aurais honte à votre place, monsieur. Au revoir. Bon courage, bon courage. Ta santé, l'arnaque. Alors, ouais, ça tient que de moi, mais n'y allez pas. Y'a de quoi faire là. Ah, oui, si. Ou alors, allez-y avec monsieur Duke, hein, mais là. À mon avis. Voilà, ça pue le traquenard à plein nez là. Tracteur à plein nez, on est bien d'accord, madame. Ah bah, je sais pas ce qu'ils font les orphelins, mais à mon avis, c'est pas beau. Oh, punaise. On récolte. Parce que acheter des orphelins, ça paraît très bizarre quand même. Ah bah, c'est que, disons que si personne au monde ne pouvait leur envoyer d'enfants, ce serait sûrement mieux. Ce serait sûrement mieux. Déjà, à mon avis, ils les revendent en pièces détachées. Ah oui, là, je sais pas ce qu'ils en font des gamins, mais on doit pas les revoir. Hein. Je suis tombée sur un camp de cannibales. Oh, oh là là. Il y avait des hommes pendus avec la peau arrachée et le sang récolté dans une bassine. Enfin... En fait, attention, en tout cas, j'espère que vous avez du monde près de chez vous parce qu'ils risquent de revenir vous voir si vous êtes à Armadillo. Oui, mais vous inquiétez pas, il y a tous les Mexicains à Armadillo. Bien entendu, avec ouais, eux. Oui, prévenez-les. Je pense qu'il faudrait bien que vous les preveniez quand vous les verrez. Parce que. C'est pas faux. Parce qu'en plus, et ils sont un peu nombreux. Aussi, donc, Oui. Bon, bah, à mon avis, monsieur Mike, il le sait bien ça avant nous. Ça. Oui, mais bon, s'ils apprennent qu'ils cherchent un petit peu à intimider les gens, parce que c'était à deux doigts d'être le cas, hein, je pense que ça leur plaira pas des masses. Surtout que je les aime bien, moi, je les ai rencontrés la dernière fois, et enfin, juste avant la fusillade,
et très sympathique. Mike ? Non, pas Mike. Les Mexicains, bah après je sais pas de quel... les locaux, je crois. Ouais, bah oui, les locaux, ouais. Faites attention aussi à... Ah, c'est lequel ? Gabriel, il est très... Ils m'ont pas tous donné leur nom, donc peut-être que j'ai vu, mais sans savoir. C'est-à-dire que Mike est un loco aussi. Ah. Mike, c'est un loco, ouais. Mike est... Ah non, Salazar, c'est un Bennett. Il s'appelle Bennett. Ah oui. Voilà, il y avait les locaux et je crois que c'était Dalton et d'autres, mais je suis pas sûr. C'est ce qu'on m'a dit. Ah. M-Event pour un Mexique. On va éviter si nombreux que ça, parce que les Dalton, ils sont pas tellement nombreux. Ah oui ? Bon, c'est peut-être d'autres, alors. Mais moi, je pense pas, parce qu'ils avaient des bérets quand je suis partie. Il y avait des gens avec des bérets. Ceux qui ont... Alors, je vous avoue que j'ai écouté un peu derrière un... Oui ? Derrière un mur. C'est bon, je... Voilà, parce que c'est votre travail. Et j'ai cru entendre que c'était... Comment il s'appelait ? Les Godless. Godless. Je le connais pas encore trop. J'ai entendu le nom Godless. D'accord. Je me renseignerai un petit peu. Moi aussi, je sais j'ai pas. J'ai cru lire ce nom-là dans la gazette en venant dans le train. Ah oui. Ah, et ce serait qui, du coup? Ou apparemment, ce sont les gens qui sont vers... comment ça s'appelle cette ville en dessous d'Ansberg, là? Ah, Banorn, je crois. Ouais, je crois bien, ouais. Ah, je suis passé avec Monsieur Duke et Pepito. Ah, vous avez rencontré Pepito sur le, un juge, etc. C'était un peu obscur. D'accord. Oui, j'ai rencontré Pepito, il fait l'entreprise avec Duke, avec Monsieur Duke. Oui là, en douille. Ah, d'accord, c'était ça. D'accord. C'est ça. En douille. On fait des pastouilles, on fait du ferrouille, du bois douille. Voilà. Ça va, c'est pas surprise. Pas surprise. Du brimbouille aussi, du métalouille. C'est comme ça qu'on m'a vendu le truc. Et pour les clients, ça douille. Oui. Bah, apparemment, il paye bien, hein, mais bon. Oui, je pense aussi. Il a l'air assez. Il a l'air assez généreux envers tous ceux qui peuvent l'aider, le petit Pepito. Ouais. J'ai pas encore été payé, mais comme avec Monsieur Duke, il y a plus d'alerte de Telegram, il y a plus de petits. Il y a plus rien et il y a plus personne. C'est très compliqué. Voilà. Donc. On se croise nos télégrammes sans jamais savoir où on est. Bah oui, et puis bon, bah ceux qu'on avait déjà, ils ont perdu. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il faut bien vérifier ces télégrammes avant d'aller se coucher, avant de partir de la ville. Quoi. Ah bon ? Oui, parce qu'on n'est pas sûr à 100% que les télégrammes se perdent pas entre temps quand on va revenir. Ah ! C'est pas impossible, apparemment. Donc, on va bien vérifier juste avant de partir ce soir. Ah d'accord. Ah ok. Oh, bah, c'est bien compliqué ces histoires. Bon, est-ce qu'on bougerait pas là avant qu'ils reviennent? Enfin, je sais pas, mais bon. Telegram d'ailleurs, je sais même pas où c'est. Ah, ils sont juste là-bas. D'accord, je connais pas trop cette ville. Oui, bah. Pardon? Vous êtes d'ici? Oui, tout à fait. Enfin, je suis arrivé ici, mais je suis bien plus loin à la base. Et vous êtes arrivé où? Armadillo. Ah, bah oui, évidemment, vous l'avez dit. Enfin. Oui, et ça va? Je sais pas si j'ai dit que j'y arrivais, mais... Et vous êtes là depuis combien de temps? Parce que j'ai pas vu. Ça fait 3 jours. Ah oui, c'est récent. Oui, ça fait 3 jours. J'ai passé ma première journée avec 2 petits natifs. Et oui, parce qu'il y en a du côté d'Armadillo un peu plus. Moi, j'en vois beaucoup du côté d'Asbo. Pas d'Asbo, qu'est-ce que je dis, de Strawberry. Ils sont fort sympathiques. Petite natif m'a offert un cheval. Ah oui, moi dis donc. Mon premier jour d'arrivée, je chassais dans la forêt en faisant des cris d'animaux pour attirer les animaux. Hein. Vous voyez, j'étais un... Ah oui, je vois tout à fait. Voilà, et ils se sont retournés en se demandant ce que je faisais. J'ai pas compris parce que je... Quand même plutôt bien, mais... Les animaux, quoi. Ah oui, bien sûr, si. Vous êtes sur de l'alouette enragée, quoi. Ah non, c'était du corbeau en rut. Ah, Corboru, ce serait un peu plus grave. Ah, bah écoutez, je n'ai pas de réponse. En effet. Voilà. Mais bon, c'est leur système aussi, là. Ah, du coup, vous avez un numéro de Telegram? Oui.
Alors, c'est... Au fait, on se... Ah oui, non mais... Bah, je vous l'ai déjà donné, normalement. Oh. Et le vôtre ? Il y a un cul de femme. Attendez, je crois pas que j'ai le vôtre. Non, je vous l'ai pas donné. Bon, Pierre, vous m'enverrez un petit télégramme, mais bon, au cas où. Alors, c'est le CN... Oui. 635. Ah, redite. 635. C comme 6, 40, 3, 5. L comme lapin. 135. Parfait, vous, merci. Vous avez pas de télégramme ? Il est concentré, ouais, il dit. Ouais, si, j'ai ben un télégramme, mais je cherche à comprendre comment ça marche. Tout ça. Alors, le nouveau système, je peux pas beaucoup vous aider puisque j'ai pas encore expérimenté. Oui, ça m'a parlé le bain simple, tout ça. Ah bah non, il change tout d'un coup, là, comme ça. Ah, la technologie, hein, les personnes d'un certain âge ont du mal, hein. Je sens un petit message. Perle, oh, c'est pas très gentil, ça. Ah, c'est pas gentil, c'est juste... Voilà. J'ai rien dit. C'est bien, ces petits crachoirs mis partout, hein. Bon, c'est bien quand on a besoin de cracher, quoi. Vous y arrivez, monsieur Burnet ? Et bon, je vais boire un petit coup si je peux. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ah là là, bon. Oula, là j'ai entendu de l'eau. Bon, je sais pas bien où je vais me poser moi, parce que ceux-là ils m'embêtent un petit peu, j'ai pas envie de rester dans le coin. Peut-être à Strawberry. Qu'est-ce que vous faites, vous ? À Strawberry, il y a une fusillade aussi, mais ça fait un moment, je crois. Oui, j'y suis allée, c'est... ça s'en va, c'est calmé. Ouais. Oui, c'est... Ben, je ne sais pas, je faisais visiter un peu le coin à Monsieur Gurney. Ça vous plaît, Monsieur Gurney ? Bon, bah, c'est plutôt sympathique. Oui, bon. Je vais montrer le marché, tout ça. De manière générale, c'est un peu... C'est un peu plus sympathique. On essaye moins de vous prendre de l'argent. De manière générale. Moi, j'ai un monsieur dans le coin, monsieur... Dunbar, je ne sais plus. Il m'a offert un rubis dans le coin. Oh, oh bah, dis donc. Ça va, on vous fait plein de cadeaux. Ah bah, à la jeunesse, hein. La beauté de la jeunesse. Impressionné de la gentillesse des gens. Bon, bah, c'est pas à moi qu'on va offrir des émeraudes, hein. Ouais, on m'en offre plus trop, moi. Bon, on m'offre du pain, moi. Et la prochaine fois que j'aurai un émeraude, promis, je vous en offre un chacun. Oh, c'est adorable. Vous avez la bougeotte, bis. Tout va bien. Ouais, je laisse. Oulala, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est bruit de chevaux, là, pas le tout. Oui, un peu de... Ouais, un peu de passage, quand même, ici. Tout de même. Vous voulez continuer à vous balader, monsieur Gurney, ou... Bah, écoutez, oui, pourquoi pas. Hein. Ah, bah... Je ne sais pas trop. Disons que les loustiques, je m'en méfie beaucoup. J'espère qu'ils sont pas, qu'ils sont plus dans le coin. Ah, oui. Oui, ceux qu'on a croisés, là. Je sais même plus qui c'était, mais... Ils étaient toute une... Toute une... Pas dit leur nom, je crois. Mais... Non, effectivement. Si, c'est des frères. Joshua... Oh, je ne sais plus. Non, oui, il a juste dit Joshua, je crois. Dynamo. Non, il a juste dit Joshua. Ah, Dynamo. Les frères Dynamo, alors. Parce que je pense qu'ils peuvent être assez collants. Il avait l'air plutôt agressif, hein, quand même. Un petit peu, oui. Ah, c'est pas plus mal que les messieurs du saloon, ils restent à distance. Mais bon. Surtout vu dans l'état où il était. Oui. Il y a une règle ici, hein. On n'a pas le droit d'appeler nos chevaux, je crois bien avoir entendu ça. Hein.
Ah bah en fait en ville, vaut mieux éviter parce que ça peut... Ça m'est un petit peu arrivé. Les chevaux, ils hésitent pas à foncer dans les gens. Ah, moi j'ai reçu un coup de sabot. Oui. Bon, je suis arrivée depuis 3 jours, j'ai reçu 3 fois des coups de sabot. Ah, faut pas passer derrière les chevaux. J'ai été mis KO une fois par, par Gabriel, il m'a pas fait battre. Et je me suis fait attaquer par un grizzly. Ah oui, où ça? Ah bah, près du camp de cannibales. Il y a un camp de cannibales? Ouais, un camp de cannibales. Vers... je ne sais plus, vers... Manzanita Post. Oh, d'accord. Mm-hmm. Il y a un petit campement ici, mais je sais pas bien ce qu'ils font. Oh, les mouches. Après, bon bah, c'est plus très intéressant. Il y a un cimetière là-haut. Un petit peu plus haut. Ah bah, Armadillo, nous avons des fosses communes. Oh, ça m'a dit. Oui. C'est... Parfois, il y avait des cadavres qui sont tombés des charrettes. Je les ai vus tomber de loin des charrettes. Bon, je me suis dit, je vais quand même les remettre... les remettre dans leur fosse commune, parce que j'ai pas compris. Ah, vous avez remis les cadavres dans les fosses, bah c'est gentil. Ah bah, écoutez... faut être un peu serviable, hein. Le début. Ah oui, il m'en est arrivé des facéties depuis que je suis ici. Ah oui, non, vous avez 3 jours très mouvementés. Ah, cela dit, ça peut aller très vite dans la région. Hein. J'ai aussi étranglé un homme jusqu'à l'évanouissement. Oh, ça c'est certain fantasme. Hein. Je connais plus d'un homme qui paierait pour ça. Le même canasson. Ah bah c'est la même espèce. C'est le moins cher. Mais c'est les fières bêtes. Par où vous voulez aller, Miss? J'ai... Excusez-moi. Strawberry, ça peut être pas mal, hein. Strawberry? On aurait pu monter ensemble, c'est que je pensais que le monsieur, il avait pas de cheval. Eh bien, allons-y. Ce sera plus rapide par là. Ah, quoique. Oh, les deux. Allez, vous coupez comme ça à travers champ. Oh, il faut pas hésiter à parler fort à cheval parce que... C'est pas vous. Mais vous êtes sûr que c'est pas là? Bah, je suis bien passé dans la ville, mais... Bon, c'est que c'est derrière, en fait. C'est littéralement là-bas. Je vais aller lui dire. Je ne vous voyais plus. Oui, bah parce que vous allez un peu... Vous allez quand même à l'opposé. Mais non. Vous avez dit strawberry? Ah oui. Bah là, vous alliez à l'opposé, je vous assure. Hein. Bah je faisais le tour, en fait. Oui, mais on peut juste aller par là-bas. Mais c'est... C'est pas par là, strawberry? Si. Ah oui, mais vous vouliez passer... Bah c'est que sinon, on peut couper après ici, si vous voulez. Oui, mais là où vous coupiez, c'était vraiment l'opposé. Non, par là. Et... Alors, strawberry, c'est littéralement en face de moi, là. Vous, bah vous oui. coupiez littéralement là-bas. Bah, ma carte m'indique... voilà. Merde. J'ai mis un point sur ma carte. On a perdu le figuré. Oui, bah je pense qu'on l'embrouille à force. Viens, Bernet! On est là! Derrière vous. On peut couper par là si vous voulez. Oh, c'est fort compliqué. Peut-être tu as la route, hein, sinon. On peut couper par là si vous voulez, mais après sinon on suit la route. Hein. Oh bah c'est elle. What the fuck? Voilà, on a tiré les animaux. Hein. Ah y'a...
Mais une alouette là. On dirait vous quand, vous appelez les corbeaux. Ben oui. Et bien fait, bien fait. Ah mais je vous assure qu'avec ces cris, on a des bons résultats en chasse, hein. Et vous avez attrapé quoi? Ah bah j'ai attrapé plusieurs biches, un opossum... Oui. Ah j'apprends vraiment à les imiter, hein. Ah oui, bah apprenez. C'est bien d'apprendre. Et vous allez avoir votre propre journal ? Eh bien, j'ai fait la demande au maire d'Armadillo, qui est pour. D'accord. Mais il faut qu'il demande à son gouvernement, parce que il y a des règles au gouvernement. Ben. Donc il faut qu'il demande s'il y a l'autorisation, et puis il y a des aides financières, tout ça. Enfin, ça m'a l'air très très compliqué, la politique. Hein. Et vous voulez pas travailler pour la Gazette ? Ils font quasiment pas d'articles en fait. Bah justement, il y a un manque. C'est ça, il y a un manque. Ça pourrait être intéressant de le combler. Voilà. Mais en faisant parce notre que... propre journal, bah, on pourrait avoir une meilleure. Parce que, apparemment, la Gazette ne parle vraiment que du haut du pays. Quoi. Bon, le petit blondinet va falloir décider là. Merci. Oula, pardon, Ciara. Ah, vous aussi, vous boxez les chevaux. Ah, ça m'arrive de temps en temps. Oui, j'ai une amie qui fait ça tout le temps. Pardon, Ciara. Ah, c'est le nom Doudou. Qui a été donné par un. Nom voilà. Moi, je préfère lui dire de se coucher, c'est un peu moins brutal. Va pas falloir confondre vos chevaux, hein. Oh, wow. Bijou connaît son nom. Faut que j'achète. Il vous faut quoi? Une brosse. Ah oui. Le gurnet qui est bloqué sur son cheval, je crois. Je vous conseille pas d'acheter des vêtements ici parce que c'est à l'extérieur. On est quasiment dans la boue devant tout le monde. Ah oui, l'autre soir on s'est tous habillés en peau de bête. Et on s'est jeté dans la boue. Ah oui, oui oh, j'aurais bien aimé voir ça. Dans mes yeux. Ah bah bonjour monsieur Duke. Bonjour monsieur Duke. Ça allait bien? Ah votre bien et vous? Le mot chasse. Bah très bien. Okay. Nos télégrammes se sont croisés monsieur. Oui, là ils sont perdus je pense. Mais... Ils perdent? Oui. Qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Mais c'est des Mexicains, hein. Ils me disaient que ma coupe de cheveux était moche parce que je devais demander au maire pour être journaliste. Et il m'a dit que ça faisait pas professionnel. Il m'a obligé à changer. Votre coupe de cheveux est moche parce que vous deviez demander au maire pour être journaliste. Voilà. Jusque-là, c'est logique. Ça faisait pas sérieux et professionnel, ma coupe de cheveux un peu. Voilà. Ah, ils avaient pas l'air d'aimer beaucoup chez vous. Apparemment, ils trouvaient ça mieux. D'accord. C'était quoi vos cheveux avant? Conseiller ma coupe de cheveux par un homme aussi, non? Ah, c'est gentil. Bah, je vous aurais jamais reconnu, je vous avoue. En fait, de loin, la robe m'a dit quelque chose, donc j'ai regardé voir si c'était vous, mais en fait, Oui, la coupe de cheveux ne vous a pas. Non, je me suis dit non. Ouais, oh, d'accord. Comment ça va, madame cheveux, je vais récupérer ma coupe de cheveux. Hein. Bon, ça va très bien, soirée mouvementée, j'ai échappé à plusieurs fusillades, apparemment. Ah oui, à Armadillo, oui, apparemment, ça a cartonné partout. Ouais. Première fois que j'allais à Armadillo, au bout de 20 minutes, il y a déjà une fusillade. Ah, et moi qui disais qu'Armadillo était une ville très tranquille. Ah, bah, c'est ce qu'ils m'ont tous dit quand je suis arrivée. Enfin, très tranquille, sauf les combats. Oui, mais bon, mais bon. En vrai, c'est pas si tranquille que ça quand même. Ah non, ah là, ça l'était pas du tout là. La bagarre et la fusillade, quoi. Ah, moi j'aime bien les bagarres, je trouve ça rigolo de se battre avec les Mexicains, mais. Oui. Les fusillades, un peu moins. Moi j'aime bien quand il y a des paris. On déjoute aussi à d'autres chevals.
Oui. Enfin bon, si les shooters ils sont encore en vie. Parce que bon, apparemment il y avait pas mal de victimes. Avec des machettes. Oui. Ouais, avec des machettes. C'est très rigolo à regarder quand même. Ah, j'aimerais bien voir ça. Ah. Ah, qu'est-ce que vous donnez à Mademoiselle Duban? Ah bah, je cherche toujours un petit peu les bons coups. Pour le moment, je rencontre surtout des gens. Je vous prie. Ah oui, j'ai passé une petite soirée avec, avec Miss Daphné une fois, c'était bien sympa. Ah c'est vrai? Oui, elle stabilisait des gens. Eh, comment ça, elle stabilisait des gens? Avec son poing. Mais pourquoi je comprends rien quand vous racontez des histoires? C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que y avait des jeunes hommes qui avaient un petit peu les idées pas en place à cause de l'alcool. Bon bah apparemment elle sait la remettre en place. Ah, elle leur a mis des taquets. Oui, et elle s'est même fait payer pour ça. Ah, ça l'avait fait une tonne de fois. Ah, mais si, mais on a parlé. Oui, d'accord. Bah, et ils ont fini par la payer. Pour la remercier de les avoir stabilisés. C'était. C'est ça. Ah, bah, ils étaient stabilisés, attention. Ah, bah, c'est pareil. D'accord. Ah, faut avoir le doigté. Ou le poignet, plus. Ah, oui. La fenêtre tape fort, hein, c'est bien. Ah, ah oui. Kamikawa. Ah bah j'imagine, oui, bah je... J'ai bien vu. Ah je... J'ai pas eu besoin de déstabiliser moi, c'est bon. Ça va. J'ai pas demandé. Non, c'est bon. Hein. Non, bah c'est... Bah et vous ? J'ai cru comprendre que vous... Bah... Alors on m'a expliqué que vous aviez une petite entreprise avec Bébito. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, on gêne un petit peu. Ah bah les nouvelles vont vite. Oui. Bah c'est... Oui, Andouille Corporation. Oui, c'est ça. Andouille. Bah oui. On est en train de faire ça pour envoyer des gens à travailler un peu le minerai, le bois et tout ça. Pour les armuriers principalement. Ah oui, bah il y en a un armurier qui m'a parlé de ça tout à l'heure, celui de Danesburg. Il m'a dit que effectivement ils avaient besoin. C'est ça. Merci. Et bah voilà. Nous on va placer des gens pour travailler dans ces endroits-là, qu'on paye bien. Hein. Et puis comme ça, en plus, on va pouvoir faire très peu de marge et revendre les matériaux aux armuriers à très bas prix. Enfin, à très bas prix, en tout cas plus bas que ce qu'on leur fait, ce que leur font les gens en ce moment, qui sont très... D'accord. Bah, c'est un peu trop en ce moment. Oui. Oui. Et d'ailleurs, vous êtes bien, si vous voulez venir avec ma Blackwater, bah oui, venez avec ma Blackwater juste après, là, puis je vous paye. D'accord. On y était, mais il y avait des loustiques un peu bizarres. Ah oui, on a préféré partir. Une maison pour orphelins à Armadillo. Ils achètent des enfants. Et ils nous disaient qu'il fallait qu'on leur ramène des enfants orphelins et qu'ils payaient pour. Ça m'avait l'air très 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 bizarre. Oh, oui. Ça ressemble à quoi? Et Dynamo, les frères. Oui, Dynamo. Voilà, avec Joshua Dynamo. C'est les pires. Ah oui, oui, après ils ont taxé de l'argent pour financer. Ah, ils ont essayé. Heureusement, on est parti avant. Ah, non, c'est les pires. Bah, très franchement, ils étaient nombreux. Hein. Au bout d'un moment, s'ils avaient voulu être plus vindicatifs. Nombreux comment? Ah, bah, quand on les a vus de loin, ils étaient une dizaine. Après, ils ont été que 3-4 à venir nous parler. Mais ils sont arrivés à 10 quand même. Ouais, ils étaient plutôt 4 dans ces deux-là. Ah, là, ils étaient un peu plus. Ouais, peut-être qu'ils ont embauché des gens. On les a pas tous vus après, c'est juste qu'on a vu de loin, et puis l'un d'eux est venu nous demander, nous parler un petit peu de ses affaires, et puis ils ont voulu parler au gérant des saloons de Blackwater, mais ils étaient pas très réceptifs, ça leur a pas plu, ils ont commencé un petit peu à hausser le ton. Ah. On dit qu'on était des mauvaises personnes. Oui, voilà. Ah bon ? Mais d'une manière, une manière moins mignonne. Oui, non, mais ils sont cons, hein, mais... Au saloon, normalement, ouais. Ils sont plutôt sympas. Ah là, ils étaient pas... Ils avaient envie de parler à faire et ils ont pas aimé que ça refuse en face. Ah, les gens du salon, c'est pas plutôt Maxwell. Oui. C'est ça, c'est les Seven. Mmh. Ouais, voilà. C'est ceux qui sont habillés avec des sangles partout là. Oui, c'est ça. Oui, et une armure. On dirait que c'est une armure. Comment vous avez appelé Maxwell et non, mais c'est les Seven. Vous avez dit, c'est les Seven. Ah, les Seven. Ok. Ouais. Ceux qui ont des ceintures partout sur eux là. D'accord, donc mmh. Je
Pas sûr, je pense qu'ils sont plus que 7. Ah. Bah dis donc, sinon le nom change toujours à chaque fois qu'il y a une nouvelle recrue, c'est un petit peu compliqué. Oui, non, oui, c'est ça. Et du coup, bah... L'indicatif comme les panneaux, oui. Ça a toujours été assez pour toi, mais c'est vrai qu'en ce moment, ils ont pas mal d'histoires avec des groupes qui essaient de venir à Blackwater et tout. Ah bon. Ils avaient l'air très très pressés de parler, en tout cas. Après, je suis pas trop. Ouais, ça m'étonne pas. Mais bon, ils ont vite dit, tout le monde vous pisse dessus. Ils ont dit ça au monsieur du salon. Pour ça que tout le monde vous pisse dessus. Donc je trouvais que c'était pas très gentil. Mais je connais pas les habitudes. On se pisse pas trop dessus à Blackwater. Je m'en doutais. Monsieur Gurney, oui, n'hésitez pas à venir avec nous, ne voulez pas. Oh, bah non, bah, j'écoute, je m'informe. Et qu'est-ce que je veux dire Bah si mademoiselle Pearl, si vous venez avec moi à Blackwater, je vous donne votre paye tout de suite. Hein. Mais pas de problème, c'est combien du coup? Bah, il me semble que c'était 12 et quelques, non? Un truc comme ça. Ou en non plus même, je sais plus. Faudrait que je recalcule. Ah non, il y a 5 et 12. Je refais le calcul sur place et je vous dis. Ah vas-y coup. Mais ouais. On n'avait pas convenu de prix en fait, je suis venu vraiment. Bah, en voilà, vrai, si, il y a le prix qu'on revend le minerai et tout ça. En fait, on se fait pas de marge du tout là pour l'instant. Ah oui, c'est pour lancer. Donc, c'est le prix. Oui, oui, c'est pour le. Et puis, c'est pour ouais, vraiment avoir le plus possible dès le début. Et c'est quoi? Que du minerai? Bah, non, y a, du bois douille. Ouais, ah. Du bois douille. du bois, il y a deux types de bois. Il y a deux types de minerai. Enfin, il y a du fer et du métal raffiné. Et ah oui! Du soufre. Oui, évidemment. D'accord. Mais le soufre, il faut aller à Guarma, donc c'est un peu plus compliqué. Ah, c'est que à Guarma le soufre! Ouais. Et puis, et puis, du coup, il faut des tickets pour y aller parce que. On m'a dit que c'était 5$ les tickets. Ah, d'accord. De base, si on les prend en bateau directement, c'est 5$. Ah, d'accord. Et on peut les avoir autrement alors? On peut avoir des gens qui vont en vendre, ouais. D'accord. Mais normalement, si vous travaillez pour Andouille Corporation, ceux qui font le soufre, ils payent pas les tickets, bien sûr. Ah d'accord, oui, le voyage est offert, quoi. D'accord. Oui, bien sûr. Et donc, voilà. Curieux d'aller voir. À Guarma. Un jour, j'irai voir Guarma aussi. J'en reviens. Ah. Je fais guide à Guarma. Ok. Incroyable. Donc, si vous voulez faire un tour un jour, vous me dites. Hein. Ah, tout à fait, vous avez. D'accord. Bah je pourrais peut-être même reprendre votre numéro, parce que bon, je n'ai plus personne. Eh oui. Les numéros, c'est compliqué. Alors... oui, puis bon, bah j'ai plus aucun télégramme, j'ai plus rien. Alors de mémoire, mon numéro, c'est YC154. Très bien. Mais moi, je vous propose qu'on aille le faire directement au bâtiment qui est derrière, qui est... le télégramme, comme ça on note tout de suite. Tout à fait. C'est quand même plus pratique. Il fait rire le cheval. Il y a un escalier, Miss, si vous désirez. C'est une invention plutôt pratique. Bon, excusez-moi. Alors, il faut être un peu plus en face de Lucas. Oui. C'est chiant. Oui, c'est chiant. Pardon. Oh, j'ai fini par faire un tête à tête avec lui tout à l'heure, parce que ça m'embêtait. Ah, c'est vrai. Il y avait une de ces files d'attente dans les télégrammes aujourd'hui. Ah ouais? Ah oui, au début j'ai vu. Oh, c'est très chiant en fait. Hein? À un moment donné, on va aller là-bas. Et on va revenir là. Bonjour. J'ai déposé une annonce. Bah apparemment le monsieur ne veut pas prendre mes... Ah, si, pendant une seconde il a voulu. Bah il a monsieur, voulu. Vous n'êtes pas payé à rien faire, hein. C'est ça, non. Vous pouvez regarder par là, non? Ah, il faut bosser un petit peu, hein. Ah, moi je peux ici, là. Ah. Il m'écoute. Je vous laisse la place. Ça. Là, voilà. Et non. Ah bah c'est vous qui avez un... En trop de place. Non mais sinon n'hésitez pas à passer la porte, hein. Oups. Oui, je fais souvent cet effet là. Je suis tombé. Voilà, ça range. Ah. Minerve.
course, quoi. Ouais, peut-être attendre que la tempête passe. T'allais dire que t'allais après la tempête. Voilà. Oula. Parce que, bon, je vais en profiter. Passer un petit coup de balai. Ah ouais, bon, c'est très gentil de votre part, parce que bon, il a pas l'air de beaucoup travailler. Mais hein. C'est pas faux. Voilà, vous êtes tellement incroyable. Ah bah... Je me mets ici pour la tempête. Normal, ils ont sur la chaise en même temps. Hop, voilà. Voilà. Oh, je peux pas me sortir ici. Disparu, madame Denise. Ah non, je me mettais un petit peu dehors pour laisser de l'espace. La tempête va arriver. Eh, semblerait-il. La tempête vient. Ah, pas beaucoup de nuages. Non, hein, c'est... Bon, après, je fais confiance au monsieur de la météo, hein. Aux dames, hein. Monsieur dame. Au monsieur dame, voilà. Mademoiselle et... Oh, vous savez, on peut acheter une brosse. Oui. Je sais. Oh la vache, comment ça tout... Oui, moi, ça m'a tout... Tout fermé, de manière vénère. Je suis là! Merde, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Je relance tout de suite. Ça va vous? On va pas. Je vais pas trop tarder en vrai. Moi. Hop là. Sont de Windows. Baf, oui, pas le choix. Ça va et toi? Bah oui, ça va trop bien. Non, mais c'est cool, j'ai enfin croisé la Miss. Je suis contente. J'étais pas sûre de croiser Morgane. Aïe, ah, yeah, c'est fait, j'ai son truc. Allez, Radem, tu te lances quand tu veux. Hein. Mais bon, moi là, je vais aller me coucher. En vrai. Radem veut pas se lancer, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a trop de trucs, voilà, il y a trop de processus en même temps, là ça va être bon. Mais oui, ça va être très très bien. Attention, on va être reparti bientôt. Plus beaucoup sur le serve, hein, plus beaucoup. Oui, c'est bon. T'es sur son live quand t'as dit je vais à Black Otter. J'avais vu tout à l'heure qu'elle y était aussi. Vu que j'avais son onglet sur une de mes fenêtres, j'avais. Mais je... Voilà. Fais avec. Comment ça? Comment ça? C'est très bien. Bonjour. Bisous. Bonjour. La patate molle. Oui, la patate. Très vite. Nickel. Allez, la patate, ouais. Putain, ouais, les allez, patates. On y va. La patate. Patate. Et oui, puisqu'on s'entend tous dans le lobby quand on sélectionne notre personnage. Et moi que voilà. La tempête est passée? Oh, j'ai froid, moi. Oula. J'attends un petit peu. J'attends que les gens apparaissent. Yo, Batman. Oh putain. Je suis lui. La dernière fois, quand tu parlais du ticket numéro 1. Bah, je l'ai eu hier. Bon, ça. T'étais l'élu? Oui, j'étais l'élu. Ouais. Là, j'ai le ticket numéro 4. Ah, je suis le 11. C'est bon, vous avez réussi à discuter. Ouais. Alors, c'est quoi votre petit numéro? Alors.
Mon numéro à moi, c'est le FQ256. FQ256. Oui. Tout va bien. Bonne chose, moi. Alors, rappelez-moi votre prénom. Denise Duval. Ah, Denise, c'est ça, je l'avais pas. Comme Saint-Denis, mais avec un E. Alors, attends. Vous m'avez dit... FQ256. F comme okay. Femme, Q comme... Pas comme Q, quoi. Et 256. Voilà. C'est rajouté. Merci bien. Merci à vous. Vous voulez bien ou vous voulez que je vous l'envoie? Alors... Oh bah si vous voulez bien me l'envoyer, pas de soucis, mais je crois que j'avais noté, oh, vous m'aviez dit... YC154. Oui. J'ai noté. Mais bon, mais bon. Parfait. Incroyable, je retrouve des contacts. Ah, je commence à en avoir pas mal. À vous, j'imagine, oui. C'est un peu compliqué ce truc, hein, parce que moi, on m'avait donné plein de noms. Par exemple, pour qu'on ouais. Traiter Monsieur Horton, et mais, bah, au final... Bah mais moi Benjamin Horton, je pourrais pas le contacter par exemple. Mmh. Je retourne à Saint-Denis le voir quoi. Oui voilà. Si on les croise pas, enfin on fait le tour de la bah main, oui. Qu'est-ce que... C'est un petit peu ça. Un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Oui, je parle anglais de temps en temps. C'est ça. Ah non. Monsieur Duke. Vous avez le télégramme de la petite Rose? Ah non. Mince. Oh, tant pis. Ah, c'est compliqué là. Bonsoir. Oh, je sais pas si je... Attends, je le remets là comme ça. Tu veux le lien? Ah, pas plus à droite. Par là. On remonte un télégramme avec. Un peu moins. Enfin, ouais. Si après. Oula, pardon. Y a Monsieur Burnet. Il n'est pas encore revenu des toilettes. Ah, oh, je croyais l'avoir vu, moi. Comme il arrive aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il connaisse la route. Ah, non, on essaie de. Allez, ça. Hop. Oula. Wow. Attention. Ah, oh. Incroyable, monsieur Duke. Ça va faire mal aux chevilles. 55 ans. C'est pas pour rien que vous êtes garde du corps. Ah, oui. Parce que, je monte aux potences, c'est pour ça. Effectivement, je pense que c'est la qualité première d'un garde du corps, monter aux poteaux. Exactement. Bravo. Monter aux poteaux. Oui. Oui, oui, oui. Moi, je regarde des femmes qui changent, je vais peut-être pas regarder. Oui, mais bon, c'est pas le meilleur endroit, effectivement, aussi. C'est pas pratique. Ils ont pas une boutique en intérieur, enfin, avec toute la boue. C'est pas la meilleure boutique. Ah non. Je crois qu'avant, il y avait une... Je crois qu'il y avait une boutique en intérieur avant, mais on voyait rien du tout. Du coup, ils ont transféré dehors. Ah oui, bah comme ça, tout le monde voit. Et vu que c'est celui-là qui a fait habitué, c'est ça. C'est dommage parce que là, on peut se changer là-bas. Oh, ouais, ça, ouais, ça fonctionne. Ça. Mmh. On va aller. Est-ce que j'ai envie voilà, de re... Fais attention, toi, avec tes points de suture. Ouais, c'est Ragnarok. On sent ça. On va aller, tu sais, au Rangila à côté. Je vous ai fait une balade à plusieurs. Nous sommes là, monsieur. On est parti. D'accord, bah je vais... Tu vas bien? Oh oui, mais je comprends. Mais oui, mais oui, oui, tout à fait. Oui. Ah. Mais j'ai de doigts. Oh, un bleu. Ça avait l'air d'être secoué par la tempête. Oh, c'est-à-dire que j'ai du mal à m'habituer. Putain, j'aime bien ce sujet. Attends, faire... Mais ça sonne un petit peu, oui. Vous nous accompagnez à Blackwater, monsieur Gourmet? Oh, bah, putain, pourquoi. Vous avez le même gilet, c'est incroyable. Putain, vous êtes pas des frères sans point. Ne t'inquiète pas, mais là, eh bien, allons, je le chevaucherai pas. On avance un peu avant d'appeler les chevaux, parce que sinon c'est dangereux. Oui. Vous êtes fait à votre charrette? Vous êtes fait à votre charrette? Oui, ça va. Il faut y aller doucement, quoi. Ça avait l'air un peu compliqué à prendre en main. Alors, au début, c'est un peu bizarre. Là, ça commence à être mieux. Et ça va pour passer les ruisseaux, les charrettes? Nous sommes un peu compliqués. Pour passer les ruisseaux. Les ruisseaux. Ah, c'était un peu. On a fait le voyage en charrette, c'était très chaotique.
Vous étiez combien? On était 7, 6, 7. Ah oui. Ouais, un peu. Ah oui, Z. Ça vous dérange si je monte avec vous, Miss Pearl? Ça vous dérange si je monte avec vous pour éviter de voir plein de chevaux? Non, non, allez-y. En plus, j'aime beaucoup la robe du vôtre. Et Sira, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est du natif. Et vous savez son... Vous savez quelle espèce c'est? Ce qui est fort joli. J'ai regardé, je ne m'en souviens plus. Oui. Et l'avantage, c'est qu'il est déjà dressé. Ah oui, d'accord. C'est derrière. Vous pouvez juste suivre sur Radio. Ah. Oui, les alertes sont coupées pendant le RP pour éviter qu'il y ait plein d'alertes qui niquent le RP. Tout simplement les petits loups des eaux. Alors normalement je coupe aussi, enfin voilà, j'ai essayé de couper. J'ai hâte de connaître le pays par cœur. Le galop en ville. Ah oui. Oui. Ah, c'est vrai, cette règle, je l'oublie. Arnel, y'a pas le droit au galop. Ah, vous pouvez trotter. Mais un petit trot. Ça, c'est tôt les uns en général, s'il n'y a pas trop de monde. C'est-à-dire que c'est juste un pas allongé pour le cheval. Oui, voilà, exactement. Oulou. Allez, allons-y. Oh, qu'il est beau quand il court. Il s'appelle comment? Ah oui, Sira, vous avez dit. Attention, rentrez pas dans celui de Monsieur Duke parce que je pense que c'est lui qui gagne. Et c'est vrai qu'il est magnifique son cheval en noir comme ça. Oui, ah, c'est très impressionnant. Et puis c'est vrai que, voilà, avec un cavalier qui a aussi de la carrure, bon bah forcément quand on le voit de loin, on fait deux pas de côté. Ah oui, bah ça accroche quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que un croûte avant le dodo. Couleur noire aussi. Ça, j'aurais les moyens. Oui. Ouais, je vous cache pas que pour avoir mon premier cheval c'était compliqué, j'ai failli me jeter mon dévolu sur un âne. Bon, je suis contente d'avoir attendu. Oui. On l'a conseillé à quelqu'un tout à l'heure. Ah bah après c'est pratique, ça dépanne hein. Ah oui, ça doit pas courir très vite quoi. Et puis c'est brillant. C'est pas mal en vrai. Ah c'est pas mal. Ah bah y en avait une, elle était plus rapide que n'importe quel cheval hein. Oui mais imaginez-vous Monsieur Duke avec votre gabarit. J'imagine pas. Non. Ah, je pense que. La mule, elle décède avec vous. Enfin. Bah, je pense que c'est la mule qui monte sur ses épaules. Bah, même là, Monsieur Gurney, regardez. Bon. Oui, pardon. Ah non, mais vous êtes pas. Vous êtes pas un petit gabarit, Monsieur Gurney. Ah bah non, c'est sûr. Bah, après, celui à qui on a conseillé la mule, c'était un petit bonhomme. Il veut pas que je l'appelle petit bonhomme, il dit que je lui manque de respect, mais bon, il était pas bien grand, quoi. Et s'il avait pas une moustache, j'aurais pensé que c'était un enfant. Ah oui, d'accord. Doucement, doucement. Il est déjà arrivé. T'as le droit de rentrer dans cette ville avec des chevaux? Oui. Ou faut pas non plus? Oui, pas de soucis. D'accord. Tant qu'on l'attache, y'a pas de problème. Faut pas courir quoi. Vous pouvez trotter. D'accord. Bah l'avantage c'est que les rues sont assez larges ici. Contrairement à Strawberry où bon, si un cheval traverse, il a vite fait de se prendre plein de gens sur le chemin. Là ici, quand même ça va. Y'a des trottoirs, c'est bien foutu. Par contre, c'est effectivement, faut l'attacher. Oula. Oula, je vais vous laisser vous garer, hein. Je vais vous laisser faire. On a un peu de mal à la maîtriser, on a un peu de mal à savoir encore. On va apprendre à se connaître. Ça. Oui, viens là mon petit toutoui. Il s'appelle comment toutoui? Toutoui. Toutoui. C'est mignon, j'aime bien. J'aimerais qu'un truc au théâtre un jour. Normalement, au poteau là, vous pouvez, oui.
Ah oui, c'est bon. C'est bon. Alors. Ne bougez pas. Tac, tac, tac. Merde. Bon, pas grave. Hop, je donne 13. Comme ça, c'est fait. Bon, je vais voir s'ils sont toujours au saloon, mais je pense pas. Voilà. C'est 12,50, je crois, ou 11, je sais plus, mais bon, si c'est 13. Non, c'est bon. On plus loin. Ok, c'est bon. Let's go, moi je vais me coucher, je vais aller leur dire. Bon, ça va. Je voulais m'assurer qu'il soit pas là avant. Avant que j'aille dans la chambre. Parce que bon. Ils étaient bien bizarres. Une petite chambre dans le bar. Oh, bah je prends une chambre au saloon. Moi je dors dans l'église d'Armadillo. Dans l'église. Ah bah c'est là où je me suis caché pendant la fusillade. Ah bah. C'est... Oui, vous allez dormir là-haut. Oui, je pense. D'accord. J'ai l'habitude. Et puis on est plutôt bien. Quand il n'y a pas des gens bizarres. Il y a plusieurs semaines ici. Ah oui. Oh bah, et vous êtes où, vous? Si vous rentrez. Bah, moi, en fait, j'ai une maison juste au-dessus de la colline. Vous l'avez acheté ici. Vous avez une maison. Alors, j'ai participé à l'achat. Mais elle n'est pas entièrement à moi. D'accord. On est en commun, quoi. C'est ça. Avec Rosa Dixon, mon ancienne patronne. Oh, bah, sympathique. Vous m'en aviez parlé, c'est une. Oui, ouais, c'est la voyante. Voyante, c'est ça. Ah oui, celle qui se marie dimanche. Exactement. Oh, mais elle est pas déjà mariée. On m'avait dit qu'elle avait. Oh, je ne sais plus. Je l'ai jamais rencontrée, mais j'en entends souvent parler. Ouais. Ah oui, elle se marie dimanche. Je suis le témoin en plus. Oh. Je sais pas en quoi ça consiste, mais je suis le témoin. Vous êtes le témoin de Madame Dixon. Ouais, de Rosa. Ah, vous lui avez pas organisé un petit enterrement de vie de jeune fille? Ah oui. Ah, il faut que je fasse ça. Oula, mais monsieur... Ah, vous êtes bien fatigué. Alors qu'il s'assoit comme ça. Alors oui, il y a l'eau de vie qui peut être un peu forte ici, faites attention. C'est ça. C'est-à-dire que pour m'asseoir ça va, mais alors pour me relever c'est autre chose. Ah. Bon, si on lève les mains de la table en général, on s'en sort bien. Bon, ça doit être comme ça, hop. Et bah ça va faire de l'animation, elle se marie où la Miss? Elle se marie Big Valley, c'est une vallée fleurie qui est au-dessus de Strawberry, je l'ai jamais. J'y suis jamais allé, mais j'en ai entendu parler. Si vous êtes le témoin, il va falloir faire un petit discours. Ah oui. Oula. Ah bah oui, témoin discours, ah bah oui c'est sûr. Ah bah non, on m'a pas prévenu de ça, hein, je vous avoue que... Ah bon, bah moi tous les mariages où j'ai été, ouais il y avait un petit discours des témoins. Hein. Bah je sais pas, elle m'a dit vous voulez être mon témoin, j'ai dit oui, ça consiste en quoi, elle m'a dit je sais pas. Donc voilà. Ah bah ça veut dire qu'elle aura pas trop d'attente hein. Voilà, si elle est pas au courant, bon, vous allez peut-être passer au travers quoi. Oui non, ça... Puis je crois que ça va être un truc pas très guindé non plus, donc on va voir. Mais on va être tous habillés en blanc avec du violet et du bleu je crois, un truc comme ça. Mais vous... Blanc, violet, bleu. Ouais. Parce que c'est les fleurs là-bas qui sont comme ça, donc je sais pas, on va être habillés... Ah, c'est pour se mêler aux fleurs des champs, quoi. Sympathie. Ça doit être un truc dans le style. Mais donc, voilà. Bah écoutez, vous avez une future journaliste devant vous si vous avez besoin d'une petite plume. J'ai fait ma demande au maire, je ne suis pas encore... Peut-être avoir mon propre journal à Armadillo. Faut voir. Ah, vous allez avoir votre propre journal. Peut-être. Ah, attention. Ça serait pas mal. À mon avis, ça les intéresserait parce que je pense que New Austin, ils sont pas très représentés dans. Mais justement, c'est ce la Gazette. Et oui, c'est pour ça. Au début, je voulais travailler à la Gazette, mais je me suis dit bah pourquoi pas plutôt représenter New Austin quoi. Mmh. Bah, il y a pas besoin de maire, mais c'est pas seulement politique alors. Yushiku. Ouais. Et vous avez un nom de journal déjà? Pas encore. J'ai pensé à la sirène, mais je ne sais pas encore à cause de ma voix. Ah, vous chantez? Ah oui, divinement bien. Enfin, apparemment ici, ils sont pas encore prêts, mais. Mmh. Divinement bien, oui.
Que mais c'est... tu sais, vous avez... Ah non, c'est de la poussière. J'ai ah, passé par Rode en venant. Ah d'accord, c'est pour ça. La poussière rouge encore dans les naseaux là. Ah ouais, je comprends. Je connais un monsieur qui fait du piano, si vous avez besoin de vous accompagner. Si un jour vous chantez. Ah. Monsieur Duke me disait qu'il faisait du piano aussi. Ah j'en joue moi aussi. Mais... ça vous dirait un duo, Monsieur Duke? Ah bah... peut-être pas là tout de suite, parce qu'il y a des gens qui dorment, mais... D'accord. Est-ce qu'on pourrait faire un... un duo avec moi qui chante? Oui, pourquoi pas. Moi j'ai entendu quelque chose que vous connaissez. Ah, vous ne m'avez jamais entendu chanter, Monsieur Duke? Après, moi je pense que Maroc, des bisous. Ce serait que je joue du piano d'un côté de la pièce, mm-hmm. et que vous... vous chantiez de l'autre côté de la pièce là-bas. D'accord. Comme ça, ça ferait une sorte, oui, un effet des deux côtés, quoi. Assez large. Ah ouais, c'est vrai. Mais genre très très loin, c'est ça? Bah, alors j'irais pas dire jusqu'au mur d'en face collé, voilà, à la porte. Mais, c'est presque, quoi. Ah oui, vous avez une voix qui peut. Comme ça, tout le monde en profite. Oui, parce qu'elle a une voix très puissante. Ah oui. Enfin, qui fait beaucoup d'effets, en tout cas. Ah ouais, j'ai envie d'entendre ça. Bah écoutez, un jour je vous ferai grâce de ma voix. Ah, grâce, oui. ma voix d'ange, d'ange tombé du ciel. Et vous demanderez grâce en plus, c'est ça qui est. Ah oui. Ah oui. À cause du bonheur. C'est ça. Ah, c'est trop de bonheur, c'est vraiment trop d'intensité et de bonheur pour les gens, quoi. Bon, bah tout ça, ça m'allait être prometteur. C'est ça. Très, très prometteur. Et vous faites quoi, monsieur, du coup? Bon, ben pour l'instant, pas grand chose. J'ai passé quelques heures à miner dans le sud, là. Ouais. Et puis, bon, on verra ce que je peux trouver comme emploi. Oui, oui, bah, y a pas mal d'emplois différents. Hein. Ouais. Y a toujours des trucs à faire. Mais... alors, on m'a parlé un peu de l'orpaillage, de la mine, et puis, bah voilà, pour l'instant. Mmh. Et c'est pareil, bah, je vous présenterai à Malio, bah. Présenter en deux corporations. J'en ai parlé justement, ouais. C'était plus intéressant que c'est de travailler tout seul, quoi. Ah bah c'est sûr. C'est sûr que c'est mieux de travailler à plusieurs. Je sais aussi qu'il y a un ranch qui a besoin de monde aussi. Billy peut-être? Ah oui, le ranch et Billy. Ouais. Oui, la dame m'a dit, elle m'a donné son télégramme, elle m'a dit s'il y a besoin, voilà, s'il y a du monde pour venir aider, nous on a besoin de monde. D'accord. Faire quoi? Ça va être surtout pour travailler en ferme et récolter des plantes. D'accord. Bah, il y a monsieur Ice aussi qui disait qu'on pouvait récolter des plantes chez lui. Faire d'accord. Après. Enfin, l'aider à récolter, quoi. En tout cas. Oui, voilà, ouais. Prix, c'est, mais, C'est où, monsieur Ice? Près de Rhodes, apparemment. Il y a des artichauts, des carottes. D'accord. Non, je connais pas alors. J'ai pas entendu parler. Je l'ai croisé vite fait hier. C'est ce qu'il m'avait dit, mais bon, j'ai eu tellement d'infos en deux jours que... Ah, monsieur Gurley, vous vouliez pas savoir où est-ce qu'on entraîne les chevaux? Ah, bah si, pourquoi pas. Mais c'est à McFarlane. Et bah moi, mes chers amis, je vais vous laisser, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et écoutez, merci beaucoup. Je vais aller à l'hôtel. Et bah la bonne soirée. Bonne nuit, putain, ça fait plaisir de vous voir, monsieur Duke. Au plaisir. Bah pareil. Et puis bah je vous contacterai pour un petit tour à Guarma alors. Ouais, y a pas de problème, ça fera plaisir. Ouais, bonne nuit. Fantastique bien. Alors. Allez, au revoir. Bonne nuit. Au revoir. Ah là là. Bah oui, là, de toute façon, y a beaucoup moins de monde et on sent que la fatigue commence à... Moi, ça va en vrai. Je pourrais jouer encore un peu, mais c'est un tiré. Les interactions, quand elles arrivent à leur bout, je trouve. Et puis bah c'était sympa. C'était plus calme qu'hier, avant-hier, clairement. Mais et encore, remarque, non. On a une première partie de soirée très, 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 voilà. Hein. Allez, bisous, VOD.